Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Il y a 2 ans, j'ai sorti une vidéo où je faisais des tricks débiles. Et il y a quelques semaines, il y a Joachim qui m'a mis dans les commentaires de cette vidéo que personnellement j'avais oubliée parce qu'elle est totalement oubliable, tellement elle est moche. À l'époque, j'avais moins de matos et j'avais aussi moins de caméras. Il m'a demandé, ça serait bien que tu la refasses. Et ben voilà, c'est parti. Je vais commencer par tel tap no foot. Ce trick là, il est débile, mais je l'aime bien. C'est le seul moment où je fais des no foot beaux. Parce qu'en no foot, j'ai une tendance à être extrêmement dégueulasse. Et en tel tap, ça marche bien. On va partir sur autre chose. On va rester sur des tel tap. Je vais faire tel tap X-up, tel tap point end, tel tap X-up point end. Voilà. Tel tap X-up point end, c'est assez dur, hein, franchement, parce que quand t'as le guidon à l'envers, c'est difficile de tenir le levier. Bref, on va partir sur des dorsales. Je pense que ce trick-là n'a pas vraiment de nom. En gros, je vais me caler en pédale, je vais partir sur le dos et retomber dans la courbe. Voilà, je vais en faire plusieurs et j'arrête de parler, parce que ça aussi, on me l'a mis dans les commentaires, que quand je commente un peu trop mes tricks, c'est long et chiant. Bref, dorsale. C'est drôle. La même en tail whip. La même en double tail whip. Alors prépare-toi, parce que c'est peut-être la seule fois où tu me verras faire un double tail whip. Bah, c'est pour te dire à quel point j'ai du mal en double tail whip. Même sur le dos, ça marche pas. Je vais le rentrer. Je l'ai rattrapé n'importe comment et j'ai forcé comme un bœuf pour essayer de le ramener, mais ça va marcher. Allez, ça rentre. Ah, condor. Bar speed, tout turn. Invert. J'ai le guidon dans le ventre, ça fait mal à faire le con. Ok. Là, je vais essayer de m'enlever du vélo. C'est bon, tout va bien. Allez, je rentre. Allez. Et en plus, il était propre. Excellent. Bref, on va passer sur Can-Can footplant déjà, pour te remémorer ce que c'est. Et après j'enchaîne avec des tricots. Oui, le Texas dit tricot. Je sais pas pourquoi. Parce que moi, avec le temps que j'ai passé à faire du tricot, j'en ai fait des pulls. Plein de pulls. Idéal pour la Bretagne en hiver. Comme ça t'as chaud. J'avais dit au début de la vidéo que j'arrêterais de parler, que je ferais que des tricks. Et pourtant, j'arrive à dire de la merde quand même. Bon, où en étais-vous? Can-can. Excellent.
Toujours du tricot, encore du tricot. Génial le tricot. Youpi le tricot. Est-ce que je suis une machine à coudre? J'en sais foutrement rien. Mais j'aime le tricot. Bon, je vais faire foot plante dans la vertoile, qu'on voit jamais en vidéo d'ailleurs, mais on la verra grâce à cette caméra là. Foot plante dans la vertoile. Après le foot plante, je vais passer mon pied en cancan. Je remonte en cancan et je fais cancan foot jump. Oh mon Dieu, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai glissé, je crois. Je fais un rapide check des caméras. Je les éteins, je les rallume. Parce que une fois que j'ai filmé, il y avait des gros tricks. Et bah, les caméras s'étaient éteintes. Et j'avais pas vu. Donc, je fais ça. Et là, après avoir rallumé les caméras, je fais comme à tous mes débuts de vidéo. Un clap, c'est pour les synchroniser. Voilà, tout simplement. Tout le monde s'en fout, je crois. Vous êtes là pour des tricks aussi? Ouais, bah je vais faire des tricks plutôt alors. Bon, il y a eu un rebond, mais il est rentré. Allez, on va partir sur un trick dangereux. Ça s'appelle un cross-foot. Normalement, il y aura tel tap, fouf à nous. Et je reviens et je fais foot jam ou pan 3. Allez. Le plus dur, c'est de croiser les pieds avant de dropper. Bizarrement. Ça va, c'est ce que je disais. Pourtant, j'ai réussi à m'en sortir sans tomber. Ouh, putain, ça glisse la plateforme. J'adore l'eau. Dans 20, 30 ans, il n'y en aura plus. Si t'as la ref, mets en commentaire. Bon, on va partir sur des variantes en foot jam. Je vais commencer par faire one hand foot jam. Quand je dis one hand foot jam, c'est pas foot jam one hand. C'est vraiment one hand et j'atterris en foot jam. Le rototo. C'est toujours bon. Excellent. Bon, c'est rentré, c'est cool. Donc là, le dernier, c'était foot jam one foot. Maintenant, je vais faire double foot jam avec les deux pieds sur le pneu. Voilà. Voilà. C'est la première fois que je fais un robot. C'est la première fois que je fais un robot en double foot jam. Le robot. Robot. Putain, je me fatigue tout seul quoi. Maintenant je vais faire talon jam, tout va d'heure. Talon jam, bah, comme son nom l'indique. Voilà. C'est un foot jam avec le talon. Allez.
final, je vais pas le mettre parce que j'ai failli me faire mal là. Personne n'a rien vu, ce trick n'existe pas dans ta tête. Tu viens de l'oublier, t'as vu? Je vais essayer inside foot jump, donc opposite foot jump. Poser ma main sur la petite barrière et faire un 2-7 pour sortir. Ouais, si ça peut marcher. Je pense que ça va être le trick final d'ailleurs, parce que c'est un des plus durs. Je vais enlever mon gant. Tu vas comprendre pourquoi dans 2 secondes. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, je vais me caler en double foot plant sur la plateforme en attrapant ma selle et je vais faire front bike flip. Alors là, tu es en train de te demander, mais qu'est-ce qu'il fait ce débile? Bah, n'importe quoi, comme d'habitude. Si tu es abonné à cette chaîne, tu le sais. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, mais qu'est-ce que tu fais, merde? Regarde comme il est petit, mon vélo, par rapport à ma taille. J'ai l'air ridicule, mais je m'en fous, j'aime bien. Allez, c'est parti. Je vais reculer un peu, parce que là, j'étais à 2 doigts de toucher le micro que j'ai accroché au plafond pour que vous m'entendiez un peu mieux. D'ailleurs, j'espère que ça marche, parce que je le saurai que quand je serai devant mon ordi. Bref, je vais me mettre là, quelque part. Voilà. J'ai tapé dans le plafond. Oups. Allez, c'est reparti. Comment je pourrais faire pour pas que ça tape? Ben, je vais essayer de me décaler un peu. Bon, c'était pas trop loin pour un premier essai. Allez, ça rentre. Trop bien! Je vais vous laisser en faisant une dernière figure qui va être marrante. Pour ça, j'aurai besoin d'une chaise. Oh! Une chaise! Comme par hasard! On aurait dit que tu aurais préparé ta vidéo, Grégory. Je vais la poser ici. J'espère juste qu'elle ne va pas casser quand je vais m'asseoir. Bon, et ben c'est la fin de cette vidéo. Vu que je suis confortablement assis, je vous laisse avec les recommandations vidéo qui vont être là. Là, là c'est pour t'abonner et là c'est pour aller sur mon Tipeee. Bref, à la prochaine. C'est long, hein? Et ben il faut attendre 30 secondes parce que c'est 30 secondes la pub pour les chaînes. Ben voilà, c'est fini. À plus.